Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Merci Eric. Bon, ce soir, je vais faire un sujet nouveau. Donc, on va parler de l'analyse technique, comment les professionnels l'utilisent. On va voir qu'ils font des choses assez différentes des particuliers. Donc, je vais vous détailler tout ça. Alors, tout d'abord, l'avertissement de JFD Brokers. Hein, donc, pour vous rappeler que le trading, donc avec un effet de levier, est très risqué et ne convient pas à tous les traders. Hein, donc, merci de dépenser de l'argent que vous n'avez pas peur de perdre, hein, que vous n'avez pas besoin pour la vie de tous les jours. Alors, on va voir comment est structuré les départements recherche des banques. On va voir ce qu'ils font exactement. On va parler de leur analyse technique. On va voir quelques exemples qui datent de il y a 1 ou 2 jours. On va regarder les figures chartistes qu'ils utilisent. L'analyse technique aussi qui est envoyée donc aux traders des banques par des services de flux professionnels, hein, qui sont payants. Donc on a une analyse technique, on la reçoit plusieurs fois par jour. Elle est mise à jour plusieurs fois par jour. On va regarder les erreurs classiques que j'ai remarquées chez les centaines de traders particuliers que j'ai pu former depuis eh bien maintenant 8 ans. On va parler des corrélations, de quelques particularités des corrélations. Puis à la fin, je vous parlerai de la formation donc au trading spéculatif qui dure 5 jours, où je vous détaille exactement comment prendre des positions et on prend quelques positions ensemble. Si vous avez des questions, merci d'utiliser l'email p.lermi@jfdbrokers.com. Je préfère répondre, je dirais, en privé aux gens parce que comme ça me laisse plus de temps de leur faire une belle réponse et surtout ça évite les hors-sujets et de dépasser le temps imparti parce qu'à chaque fois, de toute façon, j'ai plein de choses à vous dire. Alors là, j'ai pris le Natixis. Donc la Natixis, c'est quand même la banque numéro 2 en France. Hein. Donc c'est quand même pas une petite banque pour une banque française. On s'aperçoit que le département recherche comprend 15 personnes. Donc 11 stratégistes. Alors on voit qu'il y a des stratégistes cross-asset. Donc cross-asset, ça veut dire différents actifs. Ça veut dire qu'ils surveillent aussi bien les actions que les obligations, que l'immobilier, que du non-coté, que des projets d'infrastructure. Ils regardent tout. Alors les cross-assets, donc il y en a 4. On voit qu'il y a une femme qui est IM stratégiste. Donc IM, ça veut dire Emerging Market. Il y a René qui, lui, est stratégiste fixed income, c'est-à-dire taux d'intérêt. Il y a un spécialiste donc sur le Forex, FX IM stratégiste, donc marché émergent sur le Forex, c'est Nordine. Il y a un autre stratégiste sur les taux d'intérêt, donc Rate Strategy, c'est Cyril. Un deuxième, Jean-Christophe. Hein. Donc là, au total, vous avez donc 4 et 5, vous avez 9 stratégistes spécialisés dans un domaine. On voit qu'en bas, on a quelqu'un qui est spécialisé dans les modélisations des stress tests. Et en bas, tout à droite, une seule personne sur les commodities, matières premières, et plus spécialement stratégiste sur les analyses sur les métaux précieux, qui s'appelle Bernard. Et analyste technique, ben, il y a une seule personne, hein, à savoir une certaine Michaela. Donc sur 15 personnes au total, il y a 11 stratégistes qui font de la recherche macroéconomique, qui fondamentaux, etc. Et un seul analyste technique.
Donc, c'est déjà une première surprise. Hein, parce que moi, je m'étais rendu compte de quelque chose, c'est que au fil du temps, en étant en salle des marchés professionnels, on me parlait beaucoup plus de recherche macroéconomique, de valorisation de certains actifs, de techniques de spéculation, de hedge, par exemple des entreprises, des fonds souverains, des techniques donc de couverture sur différents actifs. Et on me parlait un peu d'analyse technique, mais beaucoup moins de ce que je vois du côté particulier. Donc, je me disais, mais c'est bizarre. Alors, peut-être parce que c'est le fait que moi, je suis une entreprise, que je suis pas dans une salle des marchés d'un hedge fund qui, lui, est par définition spéculateur. Je me disais, c'est peut-être à cause de ça. Enfin, toujours est-il que j'ai remarqué qu'il y avait quand même une différence. Hein. Tous ces stratégistes-là de Natixis, ils s'adressent à tous leurs clients. Donc, leurs clients, c'est aussi bien des entreprises, que des fonds spéculatifs, que des fonds de pension donc qui placent votre argent pour la retraite, que des banques centrales, comme par exemple la Banque de France, hein, Natixis travaille avec la Banque de France, aussi bien des spéculateurs très court terme, aussi bien des gens qui peuvent être des investisseurs, des SICA, des mutual funds à très long terme. Hein. Donc, en fait, il s'adresse à tout le monde. Donc, ce genre d'analyse est envoyé qu'à des professionnels qui gèrent des sommes colossales. Après, j'ai été regardé chez d'autres banques. Donc là, j'ai été regardé chez Goldman Sachs. Alors, évidemment, Goldman Sachs, ce n'est pas Natixis. C'est quand même une très, très grosse banque d'affaires aux États-Unis. On s'aperçoit que là, le département recherche stratégique comprend 58 employés, c'est plus 15, c'est 58. Il y en a 15 qui sont employés donc au département recherche global macro et marché. Donc ça veut dire global macro, c'est-à-dire macroéconomie au niveau mondial. Hein. Quel est l'impact, de la croissance de la Chine sur l'Amérique, sur l'Europe, etc. Quel est l'impact, par exemple, d'une hausse, une baisse d'un taux d'intérêt dans un pays par rapport à un autre. Hein. Et en plus, on a 12 personnes donc, qui, elles, sont spécialisées Amérique, qui vont regarder que les marchés américains, Amérique du Nord et Amérique latine. 15 autres qui sont uniquement en Europe, hein, toute l'Europe, quoi, Europe de l'Est comprise. 14 au département asiatique, 2 personnes à l'administratif et dans ces 58 personnes, une seule et qui est dans un autre département fait de l'analyse technique. Donc on se retrouve dans une situation qui est un peu similaire à celle de Natixis, c'est-à-dire que les analyses techniques ils sont plutôt rares dans le département recherche hein, des banques. Donc, premier raisonnement, je me suis dit, mais c'est bizarre, les particuliers, eux, à 80%, ils font de l'analyse technique. Enfin, je dirais, il y en a une bonne moitié qui fait que de l'analyse technique. T'en as certains qui font et de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Mais en fait, ils font surtout de l'analyse technique. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Alors, on va essayer de voir certaines pistes. Mais comment ça se fait qu'il y a un décalage? Si l'analyse technique était si prépondérante que ça pour prendre des décisions d'achat ou de vente sur les paires de devises, on devrait avoir l'inverse dans les banques, c'est-à-dire qu'on devrait avoir chez Goldman Sachs, je dirais, au moins la moitié, voire même peut-être plus des 58 personnes en charge de l'analyse technique. Alors, de toute façon, on va aller regarder sur le site. Hein. On va aller sur le site réservé aux clients institutionnels de Goldman Sachs. Donc ça, c'est des sites, il faut avoir un accès en tant qu'institutionnel. On ne peut pas avoir accès en tant qu'individuel, ce n'est pas possible. Hein. Donc, déjà, je vois un décalage assez fort. Les banques nous parlent plus de problèmes de macroéconomie, de problèmes de ce que va faire Trump, de problèmes de ce que va décider Janet Yellen, gouverneure de la Banque centrale américaine, de ce que va décider Draghi, quel est l'impact sur l'économie et surtout quel est l'impact sur les devises, quel est l'impact sur les taux d'intérêt, est-ce que les obligations du Trésor français vont monter ou pas, enfin les taux d'intérêt baisser, quel impact. Donc en fait, ils font beaucoup plus de recherches macroéconomiques fondamentales que d'analyse technique. Alors, j'ai quand même été regardé sur le site donc institutionnel de Goldman Sachs qui s'appelle GS360.
Et on voit qu'ils expliquent bien que eux, ils ont une spécialité. Là, si on lit ce qui est marqué en anglais, l'équipe, donc l'attention de l'équipe, c'est surtout sur l'analyse des mouvements de prix, du marché d'échange, des matières premières et des taux d'intérêt. Comment elle s'emploie à utiliser l'analyse technique classique, les outils d'analyse technique classique que vous connaissez, avec en supplément des techniques de vagues d'Elliott pour développer des vues qui sont à court, moyen et long terme, donc dirigées par l'analyse technique uniquement, hein, sur donc des marchés développés et des marchés émergents. Hein. Voilà, donc l'analyse des graphes à court terme est donc conduite pour trouver des opportunités tactiques, donc je dirais pour se positionner ou se couvrir avec des sujets de sous-jacents, des thèmes sous-jacents. Voilà, donc c'est ça ce qu'ils font. Hein. Et ils disent bien que GSTEX, donc ceux qui font l'analyse technique de Goldman Sachs, ils travaillent avec une grande variété de clients qui sont aussi bien côté actif que côté passif. Hein, aussi bien ceux qui sont émetteurs de dettes, comme par exemple le Trésor français, ou actifs, tous ceux qui sont par exemple des SICAV, des assurances-vie, qui ont de l'argent. Voilà. Ils travaillent avec tous les clients, que ce soit bien aussi bien hedge fund très court terme, aussi bien hyper long terme, fonds de pension. Et dans les trois régions principales que sont l'Amérique, l'Europe et les marchés émergents et l'Asie. Donc si on va sur le site de l'analyse technique de Goldman Sachs, voilà ce qu'ils produisent. Donc ça, c'était un rapport de mardi. Ils vous donnent un rapport avec un bref où là ils vont vous donner une vue par exemple en euro-dollar. On voit à ce moment-là, on était encore à 19,33 donc mardi, et ils voyaient un triangle se former donc entre 1,1848 et 1,2017. Donc là, on va aller sur le site et on va essayer de voir. Hein. Alors, je vais aller tout de suite sur le site de Goldman Sachs. Voilà. Donc là, je me connecte. On voit que déjà, voilà, ça, c'est le site classique. Les premières choses qui arrivent, on voit que là, à gauche, il y a de l'analyse macroéconomique. Là, en dessous aussi, il y a de l'analyse sur les actions, sur les changements. Il y a de l'analyse sur l'économie. Et là, ici, il y a l'analyse technique. Hein. Donc là, celle de Today, d'aujourd'hui, donc qui a été fait 8 heures auparavant. Voilà. Donc là, il y a un PDF, je vais l'ouvrir. Enfin, en bas, voilà, il y a un résultat. Donc en fait, il parle d'un niveau, alors on va voir, un niveau 1,17, et il dit que les conditions de mettre en place un setup diminuent. Ben là, voilà, je descends. Voilà ce qu'ils nous font. Hein. Comment ? On voit déjà un truc. Là, c'est sur le dollar index, daily. On voit que c'est du daily. Là, on voit qu'ils font une analyse qui est daily weekly. Alors, je regarde. Attendez, après, c'est le dollar CAD. Donc, en fait, déjà, première différence, ils envoient ça tous les jours aux clients. Ils font du daily et du weekly. Hein. Alors, beaucoup de daily, évidemment. Ils ne sont pas en train d'envoyer tous les jours, pourtant ça a été updaté il y a 8 jours, des graphes 5 minutes, des graphes 1 minute, des graphes, je dirais, 30 secondes. Ils sont en train de faire du daily, du weekly. Donc, on voit que, conformément à ce qu'ils disaient, ils utilisent les analyses, les vagues d'Elliott. Il manque des signaux clairs. Donc en bas, par exemple, on a comme oscillateur, donc ça doit être, je pense, un RSI. Le RSI, ils montrent bien ce qu'on montre classiquement en analyse technique que tout le monde connaît. C'est qu'il y a une divergence, par exemple, ici, baissière sur le RSI. Et on voit en haut, qu'est-ce qu'il y a ? Une divergence, parce que le RSI, il est en surachat. Et il est en train de baisser. Et là, on est en hausse, alors que là, on est en baisse. Donc là, il fait encore pareil une fois.
Donc, il dit que là, ici, ça doit baisser. Alors, on voit ici, oui, c'est vrai que c'est en train de baisser. Alors, c'est sur plusieurs jours, hein, puisque c'est de mi-juin à fin juin. Là, pareil. Donc, si on arrive, alors, il faudrait que je le fasse plus précisément. Là, c'est moins évident. Je veux dire, il dit qu'il y a une divergence, mais on est peut-être encore dans la hausse, hein. On voit que comment ils utilisent des ratios de Fibonacci. On voit bien le 23,6, le 38,2. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne voit pas la base et le sommet de son ratio. Il l'a pris de beaucoup plus loin, hein. Donc, peut-être que sur le weekly, on va le voir. Normalement, on devrait voir sur le weekly. Donc, les ratios de Fibonacci, je vais en parler plus tard. On voit qu'il a ses vagues d'Elliott. Et puis, comment? Il dit que typiquement, une quatrième vague, par exemple, va retracer, donc on va rebaisser entre le ratio de Fibo, 23,6 et 38,2, mais pas plus bas que ce niveau-là. Donc lui, c'est ce qu'il est en train d'indiquer, hein. Voilà. Donc en fait, je veux dire, déjà, on voit que c'est de l'analyse daily. C'est vachement important, hein. C'est pas de l'analyse weekly, enfin, je veux dire en minutes ou en secondes, hein. Alors, autre chose encore. Alors, qu'est-ce qu'il marque? On va regarder. Le marché est actuellement dans une cible. Je sais pas ce qu'il veut dire par equality, mais en dessous d'un plus haut qui est de 1,1779, cette cassure donc suggère le potentiel d'avoir je dirais, généré un déclin encore plus fort, hein. Le prochain niveau, la prochaine zone importante au-dessus est donc 1,17 au-dessus. C'est pour ça que c'est bizarre qu'il met au-dessus. C'est 1,1715 et 1,1662, parce que c'est plus bas que le marché actuel, hein, qui est le plus bas transitoire intérimaire donc du mois d'août, et qui correspond au retracement de 23,6. Donc pour lui, le premier objectif, c'est 1,1715, hein. Et comme souvent, la quatrième vague d'Elliott va tenir aux alentours proche à 23,6. Il dit bien que c'est aux alentours proches, c'est pas un 17,15 précis. Ça veut dire que ça peut être un peu enfoncé ou rester un peu au-dessus, hein. Mais il dit, si ça baisse, ça peut aussi aller aussi loin, enfin aussi bas que 38,2. Donc le 38,2, pour lui, c'est 1,1482. Dans ce cas, une cassure à la baisse plus basse qu'un 17,15, 1,1662, donc pourrait opter ouvrir le potentiel pour donc un retracement encore plus bas, comme on vient de dire, un 14,82 à 38,2, hein. Voilà. Alors que cela n'invalide pas nécessairement la quatrième vague, cela rend encore plus difficile de maintenir une position à cœur, quoi, vraiment haussière, hein. Donc, en résumé, la cassure de ce niveau augmentera les chances pour donc une période beaucoup plus prolongée, matérielle, de sous-performance. Donc, lui, il est baissier. Donc, ça, c'est envoyé à tous les gros, aux corporates, aux fonds de pension, aux hedge funds, etc. C'est du daily, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de chercher 10, 20, 30 pips. On voit bien là, le niveau à 17,15, il n'est pas loin d'un 17,50, mais on n'était pas à un 17,50 ce matin. Donc il l'a fait il y a 8 heures, donc ce n'est pas ce matin, mais c'est en début d'après-midi. Bon, je sais pas, on était peut-être un peu plus haut, mais en fait, tu vois, il vise soit un 17,15, soit même carrément un 14,82. Donc, en général, c'est pas des gains de 10, 20, 30 pips, hein, même si le 17,15 est proche. Donc, ça, c'est le genre d'analyse technique qui sortent tous les jours. Par contre, on voit bien que c'est bon. Là, il y en a un peu l'analyse technique, mais tout le reste, c'est quasiment que de la macroéconomie. Donc attention, je veux dire, il faut le regarder. L'analyse technique, en fait, contrairement à ce que font les particuliers, je vais vous montrer deux exemples, c'est un complément. C'est pas le truc qui va nous initier vraiment le mouvement, hein. L'analyse technique, elle va servir comme point d'objectif, de point de pour mettre un achat limite, par exemple, là, si ça baisse, pour prendre ses profits quand on a vendu. Elle va nous servir de voir les zones d'accélération.
Où est-ce que ça va s'arrêter le marché? Où est-ce qu'il peut donc enfoncer sur le bas ou sur le haut? Est-ce qu'il peut stagner? Est-ce qu'on va voir un range? Mais en fait, en général, l'analyse technique, ce n'est pas l'initiateur du mouvement. C'est plus souvent le reste. C'est-à-dire, le reste, c'est quoi? C'est l'analyse macroéconomique de ce qui se passe dans les marchés globalement sur la paire qu'on traite, puisqu'il peut y avoir un phénomène local dans les deux devises de la paire qu'on traite, et aussi sur les flux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Forex, c'est avant tout un marché de flux. Hein. Alors, un marché de flux, ça veut dire quoi? Un marché de flux, c'est un marché qui, par moment, va bouger très fortement parce qu'il y a des volumes énormes qui arrivent et qui n'arrivent pas d'habitude. Des gros acheteurs, des gros vendeurs qui arrivent d'un seul coup. Un gérant, par exemple, obligataire, lui, un trader obligataire, il ne traite que des obligations. Il ne traite pas du Forex. Hein. Donc un trader obligataire, lui, il est payé pour traiter des obligations. Un trader action, il est là pour traiter des actions. Comment ça se passe, par exemple, chez un asset manager? Un asset manager, lui, je dirais un gérant obligataire, lui, il va choisir d'un seul coup, il est européen, il décide d'acheter une obligation américaine. Donc il faut des dollars pour acheter son obligation américaine. Il va s'adresser à l'execution trader. Donc du gérant, hein, de la société de gestion. Et l'execution trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre l'euro, il va acheter le dollar, parce que le gérant lui a demandé. Et la gestion, souvent, elle est benchmarkée, c'est-à-dire qu'elle est référencée par un cours comptable. Et en fait, l'execution trader, lui, doit respecter le cours comptable de vente l'eurodoll, mais on ne lui demande pas de faire des gains. On lui demande d'essayer de vendre le plus proche du cours comptable. Donc, en réalité, l'execution trader chez le gérant obligataire, c'est juste un exécutant, comme je viens de dire, execution trader. Ce n'est pas un propre trader qui essaye de spéculer. Donc, la star chez un asset manager, qui est un gérant obligataire, enfin les gros gérants, hein, comme Allianz, par exemple, comme BlackRock, etc. La star, c'est le gérant, ce n'est pas le trader Forex. Le trader Forex, il exécute. Hein. C'est comme si on lui disait, bah, écoute, là, regarde, il faut aller mettre une lettre à la poste et c'est la petite main qui va mettre la lettre à la poste le plus vite possible. Ce n'est pas lui qui écrit la lettre, quoi, en clair. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que par contre, le gérant obligataire, il ne connaît rien au Forex. Puis d'un seul coup, il faut des dollars. Et puis d'un seul coup, parce qu'il veut acheter l'obligation américaine, mais 9 fois sur 10, ben, il ne le fait qu'une fois tous les 6 mois. Quand il a acheté son obligation, lui, il la garde parce que ce qu'il veut, c'est du rendement de son obligation américaine. Donc, d'un seul comme il est très gros, il va vendre l'euro puis acheter, par exemple, 100-200 millions de dollars pour acheter son obligation américaine parce que lui, il croit dans le marché américain. Ben, d'un seul coup, il arrive avec son flux. Hein, il arrive à son flux par l'intermédiaire de son execution trader. Donc, lui, d'un seul coup, l'execution trader, il vous fait une pression à la baisse sur l'eurodoll. Vous ne savez pas pourquoi. Et lui, son réseau de l'asset du gérant, c'est un raisonnement long terme. Il n'est pas en train de faire de l'analyse technique. Il est en train de faire de la macroéconomie et il est en train de se dire, moi, je pense que la Fed va monter ses taux. J'ai intérêt à acheter des obligations parce que je vais avoir, par exemple, des obligations, je dis n'importe quoi, à taux variable. Je vais avoir des rendements qui vont augmenter. Donc, j'ai intérêt à placer en obligations américaines. Et c'est son raisonnement. Et là, la Fed ne va pas monter ses taux demain après-demain. En fait, là, le marché l'attend plutôt pour décembre. Et puis après, en 2018, il attend encore pour 3 hausses de taux. Donc, le gars, tant qu'il y a des anticipations de hausses de taux par le marché et des réalisations de taux par la Fed, il va garder son obligation. Il va la garder 6 mois, 9 mois. Et il vous fait un flux sur le marché. Et donc, qui vous fait baisser l'eurodoll. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a eu un raisonnement macroéconomique que l'eurodoll a baissé et que l'execution trader a vendu l'eurodoll. Et ce n'est pas parce que l'execution trader a vu un truc d'analyse technique. Parce que lui, d'accord, il va essayer d'optimiser. Mais en fait, on lui dit, attention, dans 2 jours, moi, je veux les dollars dans mon compte. Donc, en fait, il faut qu'il le fasse. Et au bout d'un moment, si le marché a baissé, l'execution trader, il va vendre l'eurodoll au plus bas. Hein, ce n'est pas un propre trader. Il ne peut pas se permettre de ne pas le faire. On doit avoir les dollars sur le compte. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, le Forex, d'un seul coup, il se chope des flux. Les marchés, les traders Forex, des flux d'execution trader
d'asset manager, donc de mutual fund, de fonds de pension, des flux qui arrivent de banques centrales quand elles réallouent leurs réserves, etc. Les banques centrales, elles ne réallouent pas leurs réserves d'une devise vers l'autre tous les quatre matins. Elles le font une ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, ça dépend des banques centrales, dans l'année, elles ne font pas ça tous les jours. Mais une banque centrale qui, comme la Corée du Sud, qui a plusieurs centaines de milliards de dollars, le jour où elle décide d'acheter 10, 20, 30 milliards d'euros, elle vous fait monter l'euro, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir ce raisonnement global quand on fait du trading et pas un raisonnement uniquement analyse technique. Je reviens donc sur le diaporama. Là, maintenant, je vous montre les outils d'analyse technique de Barclays. Hein. Donc, Barclays, c'est la même chose. Ils ont un outil d'analyse technique, on va aller regarder. Eux, ils ont carrément prévu… Attendez, on va aller directement sur le site de chez Barclays. Voilà. Donc, là, ça, c'est le site. C'est pareil, c'est un site pour les professionnels avec login. Et donc, en fait, il y a un truc sur le FX, vous voyez. Là, on voit… Alors déjà, je vous montre, hein, là, si je vais sur la page FX de base, je vais aller sur la FX Home Page. Enfin, il y en a deux, là, FX Home et FX Home Page. Bon, là, il me demande le login. Alors, attendez, je vais plutôt aller à l'autre. Enfin, je vais d'abord aller à l'autre, je vais voir ce qu'il me fait. Ah, ben voilà. Voilà. Alors, je vais aller sur celle-là, voir ce qu'il me fait. Voilà, sur celle-là. Eh ben, on voit que... Bon, il met la volatilité des options sur le Forex, il met un truc sur les flux, comme je vous disais, FX Flows, c'est super important. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il est en train de me dire que sur les flux, il voit les flux dollars qui sont de plus en plus short. Et là, comment il détermine ça? Alors, on voit qu'il y a plusieurs trucs, il y a les financiers et les corporates. Hein. Donc, on voit que les corporates, ils sont plutôt long dollar dernièrement. On voit que les financiers, ils sont plutôt short. Donc, ils vont faire ce genre de choses. Et les flux, comment ils les déterminent? C'est à partir de leurs clients. Hein. Et Barclays, c'est important puisqu'elle fait partie des cinq plus grosses banques sur le Forex au monde. Hein, ce qui donc a énormément de clients sur le Forex. Donc là, vous avez une vue sur les positionnements short ou long dollar ou plein d'autres devises qui est beaucoup plus important, par exemple, que le cote report. Donc maintenant, quand on regarde dans les technicals, donc les analyses techniques, on voit bien que c'est du daily. Hein, ils sont en train de faire du daily. Et alors tout ça, c'est pareil, c'est envoyé à tous les plus gros de la planète, les gérants. Donc on voit qu'ils nous font, par exemple, un graphe daily. Hein. On voit comment qu'ils vont chercher des points. Alors je vais vous en montrer d'autres. Ils font des lignes, donc, horizontale qui correspondent à des supports, des résistances. On va voir que c'est des plus hauts, vous voyez, des plus hauts, des plus bas. Ils font des trucs très simples, des trucs très simples. Donc, en fait, contrairement à ce que les gens souvent font, bon, alors après, je ne sais pas tout ce qu'ils mettent. Donc, ils ont vu un double top, vous voyez. Le plus bas de vendredi encourage notre vue baissière et supporte une figure de double top. Apparemment, je sais pas pourquoi ils mettaient 11,85, mais il n'est pas du jour, ce truc, il doit être, il est de juillet 2016, c'est pour ça, je me disais, donc c'est un exemple, ça. Et donc, en fait, il voit un double top, et il voit donc le marché va aller plus bas. Alors, vous voyez, il parle de figure chartiste, et il fait du daily. Voilà comment ça marche, hein. Donc là, je vais continuer. Quand on voit, ils ont carrément un petit outil d'analyse technique, et là, le client peut faire joujou. Et en fait, déjà, vous voyez, on voit que dans les analyses techniques, il prend des trucs simples, les moyennes mobiles, les croisements de moyennes mobiles, les RSI. Donc là, il fait 75-25 pour surachat, survente. Vous voyez ce qu'ils font? Moving Average, ADX, Slow Stochastic, RSI, MACD, Key Reversal, donc Engulfing Pattern, Hammer. Shooting Star, Doji, bon, des trucs classiques, mais ils les font en daily. Tous les jours aussi, par exemple, la banque Natixis, elle envoie à ses clients une morning news. Hein. Toutes les banques font des morning news, elle envoie à tous leurs clients. Donc là, par exemple, c'était celle du 22 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on voit le 22 septembre? Là, bon,
premier truc, le truc qui arrive en premier, c'est de la macroéconomie, c'est de la géopolitique, c'est des trucs mondiaux, quoi. Puis après, l'eurodoll, il commence à marquer quelque chose, très court, ok. Et puis il dit quoi? Il dit que, alors, Merkel n'était pas encore réélue, et donc à cette époque, le vendredi, il disait que les sondages, par exemple en Allemagne, avec la réélection très probable de Merkel dimanche, pourraient aider à supporter l'eurodoll. Eh bien, bon, après, on a vu que c'était exactement pas du tout ça, en fait, hein, puisque finalement, elle l'a remporté, mais son parti, le CDU, est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a le parti populiste extrême droite, AfD, qui est en train de monter, qui est monté de 6 à 13%. Bon, on voit que finalement, ça n'a pas plu au marché, que l'eurodoll, il baisse depuis lundi. C'est entre autres à cause de ça, hein, parce que ça a fait un petit coup dans l'aile dans l'Union européenne. Donc la tendance, elle a été dessinée par ça depuis lundi. Elle a été dessinée par ça, elle n'a pas été dessinée par de l'analyse technique. C'est vraiment ça qui l'a impulsé. Là, on a le matin, la vue du trader, donc le trader sur le desk à Paris, qu'on recommandait de vendre à 1,1980, 1,20. Il avait un take profit 1,1940 et il avait son stops. À 20 pips. Hein. Et quand il a dit ça, donc son stop, il était donc à un 20-20. Quoi. Donc là, il avait un stop serré. Hein. Souvent, il a des stops plus élevés qui peuvent être à 30, 40, 50 pips. Et donc là, lui, quand il a écrit, le niveau de l'eurodoll était à 1,1973. Donc il essayait de le choper. Il n'a pas vendu marché. Il essayait de choper un petit sursaut de l'eurodoll. Et puis, il était globalement baissier pour le matin. Ce qu'on constate, c'est que technical, c'est pas rempli. Hein? Donc, si l'analyse technique était prépondérante, là, c'est sa vue du trader, s'il faisait que de l'analyse technique, le trader, il serait en train de vous écrire tout un tas de détails pour faire l'analyse technique intraday. Or, lui, bon, il vous donne une vue, on ne sait pas comment il l'a établi. Mais en tout cas, analyse technique, il n'y a rien de marqué. Et le problème, c'est que c'est souvent ça. Moi, je le vois tous les matins, c'est souvent ça. Hein? Donc, par contre, qu'est-ce qu'il y a? L'analyste technique la seule analyste technique de BPCE, elle vous fait tous les jours des graphes. Et en fait, ce qu'elle fait dans les graphes, elle fait des graphes pour une devise chaque jour. Et puis après, il y a un petit résumé, on va le voir après, pour chaque paire de devises. Elle fait un focus chaque jour. Donc là, c'était celui d'hier. Elle a fait un focus sur l'eurodoll. Donc là, on voit bien que dans le gras, c'est des trucs très simples. Il n'y a pas des trucs dans tous les sens. Hein. Bon, en fait, il faut que vous dessiniez les supports et résistances horizontaux, les canaux haussiers, baissiers, qui sont très évidents, alors qu'ils viennent aussi de long terme, en daily, weekly. Et ceux-là, ils ont de fortes chances de marcher. Hein. Et puis, pardon. Et là, elle explique, donc, depuis plusieurs... Après plusieurs essais, comment la paire, alors j'aime pas le cross parce que c'est pas un cross, la paire a été incapable de maintenir ses gains au-dessus de 1,2030, la zone 1,2030, 1,2052, donc autour de la moyenne mobile de Bollinger quarterly trimestrielle, hein, pendant les dernières sessions, et elle menace de casser en dessous de 1,1843. Bon, là, ils étaient tous baissiers. Hein. La bande basse des bandes de Bollinger, la ligne basse des bandes de Bollinger, les Bollinger sur du daily. Hein. Donc, voilà, et qu'est-ce qu'elle dit? Attention, parce que s'il y avait une cassure sous ce support, donc apparemment c'est le 1,1843, ça pourrait déclencher un très fort potentiel à la baisse, signalant une consolidation donc baissière plus bas vers le seuil symbolique de 1,18 jusqu'à 1,1714, 1,1725. Le 1,1714, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, et elle dit bien, elle aussi, c'est une extension de Fibonacci. Donc les Fibonacci, il faut les utiliser et en daily. Hein. Et elle dit carrément, ça pourrait aller jusqu'à la moyenne mobile de Bollinger en weekly, qui est à 1,1590. 1,16. Bon, évidemment, quand on fait du weekly, surtout du weekly, on n'est plus à 10, 15 pips près. Et parce qu'on vise du 100, 200, 300 pips,
on n'est pas au pipe près, quoi. On n'est pas à 10 pipes près. Alors elle dit quoi? Notons qu'une cassure d'un 20,52, donc à la hausse, revaliderait des pressions à la hausse, hein, et invalidant les perspectives d'une baisse sous un 18,43, et enverrait ainsi un signal d'achat tout frais vers un 22, un 22,11, qui est à l'inverse la bande de Bollinger supérieure en weekly. Hein. Donc voilà, puis après elle met les résistances, ça elle doit les dessiner en horizontal. Donc les résistances sont localisées à 1,20, 1,20,30, 1,20,52, à 1,20,84, 1,21, 1,21,74, 1,22,11. Donc voilà, elle a envoyé ça à tous ses clients de Natixis, de BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'Épargne, donc tous les gérants, tous les etc. C'est ça qu'ils reçoivent. On voit qu'elle fait aussi comment après un petit intraday outlook, c'est très simple. Hein, puis donc l'Eurodoll, elle a remis quelques supports et résistances plus précis. Donc elle voyait un support donc un 18,35 bon, qui a été enfoncé depuis, un 18 et un 17,60. Bon, ben là, on est en train de se trimballer dessus. Tout à l'heure, on l'a un petit peu enfoncé hein, en début d'après-midi. Vu qu'on a été voir un 17,17, on l'a un peu enfoncé. Mais là, on est dessus, un 17,55 actuellement. Hein. Alors, elle dit quoi? Voilà, elle a dit, attention. Puisque une cassure dessous un 18,43 libérerait, je dirais, un potentiel à la baisse supérieur vers un 17,60. Ben, ça y est, on y est. En tout cas, elle avait raison. Mais c'est quand même, ça c'est de l'intraday, mais en fait, c'est de l'intraday, c'est pas du truc toutes les 5 minutes, quoi. C'est du truc qui est basé sur du daily. Hein. Donc, du daily, du weekly, etc. Donc l'analyse technique, je reviens sur Barclays, dans leurs petits outils, on a carrément un système de backtest. Le client peut se permettre de choisir une paire de devises, mettre un setup pour un signal d'entrée, mettre un deuxième filtre critère pour générer un achat ou une vente. Donc bon là, je n'avais pas mis deuxième critère d'entrée, j'ai mis carrément un RSI sur acheté, un RSI sur vendu. J'ai demandé un critère d'exécution. Donc au départ pour le système 1er février 2017 et je lui ai dit tu sors au bout d'un jour hein, et donc je l'ai fait tourner et puis le truc il m'a dit donc depuis le 1er février 2017 en sortant au bout d'un jour il a généré 140 signaux et puis il a gagné machin. Après ça vaut ce que ça vaut, il n'y a pas le spread etc, il n'y a pas de stop loss, bon c'est un truc pour amuser les clients, les gros clients, parce que franchement un système de trading, on ne fait pas ça. Hein. Un système trading, il est programmé, il est sécurisé avec, comme je vous dis, des stop loss, etc. Il est optimisé. Enfin, moi, heureusement que je ne fais pas ça pour mes systèmes. Hein. Voilà. Bon. Dans les figures chartistes qui vont vous montrer, donc en fait, les figures chartistes, ils les regardent. Mais ils les regardent toujours pareil. On parle de daily, de weekly. Donc celle-là, là, c'était l'année dernière. C'était Bank of America qui me l'avait envoyé. Donc, ils prennent toujours les cours de Bloomberg. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, ils ont remarqué une tête-épaule. Donc, qu'est-ce qu'ils te mettent comme objectif? En fait, ben, on regarde la distance entre la tête, le haut de la tête et la ligne de cou, et on la reproduit à droite. Alors, attention, moi, souvent, ce que j'ai remarqué chez les particuliers, c'est que tu as la première épaule qui se dessine, la deuxième qui se dessine, la troisième qui a à peine commencé, d'ailleurs, le mec qui se dit « j'ai une tête-épaule ». Non, il faut attendre la baisse pour que la ligne de cou se dessine. Et puis, je dirais, il faut qu'elle soit vraiment évidente au premier abord, c'est-à-dire qu'évidente, eh ben, vous avez des amis traders, machin, ils l'ont vu. Il ne faut pas leur demander « est-ce que tu as vu ?» ou alors tu leur dis « est-ce que tu as vu juste une figure chartiste ?» Tu ne leur dis pas quoi. Et s'ils arrivent à la trouver, c'est qu'elle est évidente. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont la voir, qu'elle a des chances de marcher. S'il n'y a que vous qui vous la trouvez, eh ben, c'est que vous êtes en train de rêver. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il ne faut pas que le cou soit tordu, il ne faut pas qu'il ait deux épaules, parce que ça, j'ai vu ça aussi. Parce que là, bon, je dirais… bon, là, on voit bien qu'il y a une différence d'épaule, mais la ligne de cou, elle est à peu près horizontale. Mais j'ai déjà vu des lignes de cou hyper en pente. Hein. Et ça, ce n'est pas valable. Hein. Donc là, ce que j'ai fait exprès de continuer le graphe pour voir s'il avait raison. Donc là, on était d'abord le 15 août 2016.
Et puis on arrive donc septembre, fin mars, fin septembre, etc. Donc j'ai remis ces retracements de FIBO que lui il avait mis. Alors on voit bien que ces retracements de FIBO, il les avait fait, je reviens dessus, entre un plus bas et le plus haut là, hein, on prend bien un plus bas, un plus haut significatif. Donc le dernier plus bas significatif jusqu'au plus haut significatif. Donc, je vais vous en remontrer. Donc là, il a mis ses ratios de FIBO. On voit que ça s'est plus ou moins arrêté là. En fait, son objectif, c'était donc la ligne de coût donc retracée. En fait, le marché, bah, il s'est arrêté plus tôt. Ah, bon, il avait quand même un peu raison, le gars. Mais ça s'est arrêté quand même plus tôt. Bah, c'est normal, il y a du temps qui a passé. Plus il y a du temps qui passe, plus il peut y avoir d'autres événements qui font remonter et des événements tout simplement macroéconomiques. Hein. Je continue là dernièrement. Par exemple, Bank of America m'a envoyé ça. C'est sur l'action Amazon. Et il dit quoi? Ben, Amazon, le support n'a pas encore cassé, mais ça vaut le coup de regarder ce graphe, quoi. Donc, en fait, lui, il a vu ce support. Donc, il faut faire des trucs évidents comme ça. Il ne faut pas faire des trucs tarabiscotés dans tous les sens. Là, par exemple, bon, celui-là est plus vieux. En fait, là, c'est qui? C'est le sales, le commercial qui traite donc avec le client qui était moi. Le sales qui est l'intermédiaire entre le trader et le client institutionnel, et il m'a envoyé une copie de son écran Bloomberg. Et puis, voyez ce qu'il a fait. On voit bien, là c'est de 2008 à 2010, donc c'est sur deux ans, c'est le Rodol. Et qu'est-ce qu'il met? Bon, il y a un graphe en bougie. Comment, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis, c'est du daily. Donc, il me fait un ratio sur du daily. Et là, on voit bien qu'est-ce qu'il fait par rapport au dernier cours actuel. Il fait le retracement entre le plus bas significatif, le dernier plus bas, il n'a pas pris là hein, comme début, il a pris là, et le dernier plus haut. Et il fait ses ratios de FIBO. Donc on voit qu'apparemment, celui-là, il a marché. Celui-là, il n'a pas du tout marché. Hein. Celui-là, il a l'air de marcher. En tout cas, celui-là, il n'a pas du tout. Enfin, si, ça s'est un petit peu arrêté, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on reçoit, pardon, en analyse technique intraday? Donc ça, c'est un fournisseur de news qui est payant, qui n'est pas donné pour les institutionnels. C'est que des pros, des anciens traders vétérans qui se reconvertissent hein, quand ils ont assez stressé pendant des années, qui sont plus âgés, bah, souvent ils servent de conseillers voilà, et de sur les marchés. Donc là, tous les jours, plusieurs fois par jour, donc là c'est celui d'hier soir à 22h33, donc je n'ai pas pris ceux de ce matin, hein. On voit, il vous met où était le prix, donc le prix, quand je l'ai pris, c'était 1,1796 à 22h30, hein, 20h30 GMT, et il vous met les supports, les résistances. Alors il vous met le plus bas du 25 septembre qui est maintenant devenu une résistance, donc était d'abord un support qui est devenu une résistance, à 1,1833, un peu plus haut, on a 1,1862, le plus bas du 20 septembre, qui est maintenant une résistance, etc. Là, on a un support en Orly, hein. Là, pareil, une résistance machin, et là, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, en fait, l'euro, il est descendu en dessous de la moyenne Daily Moving Average 55 jours. Donc, on est en train de vous dire qu'il regarde la moyenne 55 jours. Hein. Là, pareil, plus bas, qui sert de support, le premier support à 1,1757 sur lequel on est, qui est le plus bas du 26, bah, c'est le plus bas d'hier, hein, tout simplement, 1,1757. 1,1709, bah, c'est le plus bas d'il y a plus d'un mois, le 18 août, après 17 août, le 26. Donc, quand on lit un peu, on dit, ils disent quoi? Bah, ils disent que les pairs ont défini, ont défini ce qui va se passer sur la semaine jusqu'à présent avec les gens qui sont baissiers, qui prennent, qui se rassurent en faisant baisser la paire sous la moyenne mobile 55 jours, qui était un 17,97. Hein. Et l'attention maintenant des traders reportée sur les couches de support qui sont 1,1583. 1,1658, donc encore plus bas que ce qu'ils viennent de montrer. Ils disent que la base de Bollinger donc, est à 1,1811 et que c'est l'inquiétude actuelle pour les bears et qui limite, je veux dire, la baisse. Bon, finalement, qui limite pour l'instant la baisse plus bas, quoi. Les couches de résistance,
rajoute par contre une confiance pour les gens qui sont baissiers, alors que les boules maintenant ont besoin d'une clôture au-dessus, les boules, ceux qui sont haussiers, ont besoin d'une clôture au-dessus d'un 1802 pour arrêter la pression à la baisse immédiate. Voilà, donc il vous a fait un commentaire comme ça. Maintenant, je fais le graphe. Donc ça, c'était le graphe à hier. On voit que il fait des lignes horizontales. On voit que, par exemple, celle du haut, là, 1,1937, eh bien, en fait, bon, là, je vous l'ai fait en tout petit, c'était le plus bas de ce jour-là, du 23 septembre, je crois. Là, 1,1862, c'était le plus bas de ce jour-là, le 21 septembre, apparemment, qui est devenu maintenant une résistance. Le 1,1833, c'est le plus bas de ce jour-là, qui, si on remonte, va devenir une résistance. Le 1,1757, eh ben, c'est la résistance sur laquelle on est, qui est en fait d'hier, et qui a été donc un peu enfoncé, hein, puisqu'on a été voir un 17-17, mais qui est pour l'instant la résistance, le support d'hier, je veux dire. Et après, ils voient un 17-09, un 16-61, un 16-11 qui vient de plus loin, et on voit c'est quoi? C'est des plus bas. Alors, le plus bas du 18 août, ce que je vous ai dit, c'est celui-là, le plus bas du 18 août, puis là, du je sais pas, 19-20 août, je ne me rappelle plus. Mais en fait, voilà comment ils vont dessiner des trucs simples. Et là, j'ai mis la moyenne mobile 55 jours. Hein. Donc, on est passé en dessous. Là, j'en ai pris d'autres. J'ai pris l'euro sterling, donc, qui était sorti hier matin. Qu'est-ce qu'on dit? Il disait qu'à cette époque, donc sur l'euro sterling, il disait que comment à 87,43, le support qui a été d'ailleurs enfoncé, hein, puisque maintenant on est à... Non, je dis des bêtises, on est à 87,71 actuellement, donc on n'a pas été enfoncé. Le support à 87,43 protège contre une baisse vers 0,96,82. Donc c'est ce qu'il dit. Et on voit quoi? Donc ils sont en train d'utiliser des plus bas détectés en Orly. Donc ça veut dire une charte avec des candlesticks de 1 heure. Le plus haut en Orly, donc sur l'heure, quoi. On voit qu'ils utilisent des bandes de volatilité à 1%, des bandes de volatilité à 2%, des FIBO. Et le FIBO, il vous précise, c'est le retracement à 61,8 entre 0,8313 et 0,8606. Donc ça, c'est du délit. Hein. C'est obligatoirement du délit. Donc en fait, vous faites des FIBO en délit. Ils ne sont pas en train de me faire des FIBO, en 5 minutes. Hein, des FIBO tout petits, quoi. Là, pareil, je vous en ai mis plusieurs. Donc là, j'avais mis l'Eurodoll hier matin, l'AUD contre le NZD hier soir, l'euro sterling hier matin. Et donc, on parle de quoi? De FIBO, donc 61,8, 50%. Alors, on voit que ce n'est pas les mêmes FIBO. 109,51, 149,80, ce n'est pas un FIBO qui date d'hier, hein, parce que l'euro, yen actuellement, il est à 132,50, 149,80, on ne l'a pas vu avant-hier. Hein. 129,37, 134,41, donc on voit que là, il y a le 50, le 61,8, le 76,4. Donc, voilà, résistance en Orly, une zone de congestion qui, en fait, donc un trading range qui est arrivé pendant le 22, le 25 septembre, donc récemment. C'est ça qu'ils sont en train de vous mettre. Là, pareil, bande de 1% de volatilité, des plus hauts, des plus bas, je veux dire, soit de la journée et des cours en Orly, mais pas des trucs en graphes 200 secondes, machin, non. Donc là, l'euro-yen, voilà, je vous ai mis le FIBO qu'il a marqué. Là, le FIBO, c'était 129,37, 134,41. Donc on était à 132,20 quand lui l'a fait. Voilà le FIBO. Donc il a pris un plus bas. Alors peut-être qu'il a pris celui-là, mais c'est le même, quoi, quasiment. Mais il a pris le dernier plus bas significatif. Moi, j'aurais peut-être pris celui-là, je veux dire. Hein. Attention, vous voyez, parce que là, moi, je ne vais pas avoir les mêmes lignes que lui. Lui, il a pris ça et ça. Moi, sincèrement, du délit, j'aurais pris ça et ça. Donc, on n'aurait pas tout à fait la même support-résistance. Hein. Les mêmes lignes de retracement, je veux dire. Donc, voilà ce qu'ils font comme genre de choses. Alors, les faiblesses d'AIS Technique, je vais en parler. Tout est dans les cours, oui, mais. En fait, oui, mais tout est dans les cours, mais pas forcément au bon moment. Hein. Alors, je donne un exemple très simple. Moi, que j'ai vécu dans une des anciennes salles de marché que j'ai
dans lesquels j'étais trader, ben, quand vous avez votre société qui décide d'acheter, par exemple, pour 10 milliards de sterling, pour investir, pour construire une centrale nucléaire en Angleterre, il faut 10 milliards de sterling. Donc, parce qu'il faut acheter des terrains, il faut payer les actionnaires, il faut payer... Il y a plein de sociétés qui vont travailler au Royaume-Uni, la monnaie, c'est le sterling. Donc, vous allez vendre l'euro, vous allez acheter le sterling pour un total de 10 milliards. C'est monstrueux, 10 milliards, monstrueux. Le jour où on passe un ordre de vente d'euros, d'achat de 10 milliards, hein, alors peut-être en plusieurs fois, mais même en plusieurs fois, c'est monstrueux, ça vous fait baisser l'euro sterling. Le raisonnement, il est quoi? Il n'est pas du tout analyse technique. Le raisonnement, c'est la société qui décide de prendre des parts de marché, qui veut investir en Angleterre, et quand elle investit, c'est pas pour deux jours. C'est pour, quand on construit une centrale nucléaire, déjà, il faut plusieurs années. Il faut 10 ans pour une nucléaire classique, une nucléaire eau-pressurisée. On voit qu'il y a des retards constamment. C'est une décennie déjà pour la construire. Donc, on ne va pas vous faire d'analyse technique. On ne va pas essayer de chercher un point d'analyse technique. Le but est stratégique. Stratégie, je dirais, de macroéconomie, ce n'est pas un but d'analyse technique. Et pourtant, là, ça va être un ordre de 10 milliards qui va passer sur le marché. En plus, pour passer l'ordre, bah, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on ne construit pas une centrale comme ça. Comment on fait pour construire d'abord, pour pouvoir la construire, il faut avoir les autorisations. Il faut avoir l'autorisation du Royaume-Uni, du gouvernement anglais. Pourquoi? Parce que c'est très sensible, c'est du nucléaire. Le gouvernement peut tout simplement interdire parce qu'il dit « moi, je ne veux pas de nucléaire comme l'Allemagne, par exemple ». Donc, il faut l'autorisation gouvernementale du Royaume-Uni. Vous êtes obligé de parler au gouvernement français parce que il y a des transferts de secrets professionnels, c'est du nucléaire. On peut aussi construire des bombes nucléaires. Hein. Quand on fait un transfert de technologie, on peut transférer des trucs dangereux, même si c'est pas dangereux, des informations qui pourraient diminuer notre compétitivité commerciale parce qu'on aurait fait des fuites d'avantage stratégique, technologique. Hein. Donc il y a ça. Après, pour construire, il faut avoir le consentement de toutes les associations écologistes du coin, parce que vous faites du nucléaire, donc vous faites du lobbying auprès des associations écologistes, parce que ils peuvent peut-être tout simplement faire capoter le projet. Regardez en Allemagne actuellement, toutes les centrales ferment, il y a une centrale qui doit fermer dans 5 ans, et puis tu as quand même tous les écolos qui sont en train de dire non, il faut qu'elle ferme tout de suite. Au Pays Basque espagnol, si vous faites centrale nucléaire Pays Basque sur Google, vous allez voir qu'il y avait une centrale nucléaire qui avait été construite. On voit les bâtiments réacteurs en béton. Donc, en fait, le projet était plus qu'avancé. Il y avait eu des millions et des millions qui étaient, je dirais plutôt des milliards qui avaient été dépensés d'euros pour construire cette centrale. Elle a jamais fonctionné parce que l'ETA, etc., s'en est mêlé. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet était complètement abandonné. Hein, vous faites centrale nucléaire Pays Basque, vous allez voir. Et donc, en fait, il vous faut après convenir d'un prix avec tous les actionnaires des terrains, des technologies, de tous les brevets. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut que vous achetiez pour pouvoir réaliser cette centrale. En plus, comme le volume est très gros, il vous faut l'accord de la Commission européenne, puisque vous pouvez être dominant sur le marché. Donc, il y a l'antitrust. Il faut qu'elle vous donne l'accord. Elle peut tout simplement vous dire dominance de marché, je ne veux pas. Donc, en fait, tout ça, vous avez affaire avec des administrations, des fonctionnaires. Vous n'allez pas avoir la réponse du jour au lendemain. Donc, entre-temps, l'euro sterling, il monte, il baisse, machin. Et puis, un beau jour, vous avez tous les accords. Qu'est-ce qui se passe? La direction financière vous dit, moi, les 10 milliards de sterling, je les veux dans 2 jours sur un compte séquestre, un compte spécial que j'ai créé, transitoire, quoi, dans lequel vont passer les 12 milliards de sterling qui vont être décidés, après reversés aux actionnaires, aux fournisseurs, à tout ce machin, bidule. Et puis là, en fait, c'est des paiements. Il faut payer. Donc, en fait, on vous dit, les sterling, il les faut dans 2 jours. Ah, l'euro sterling, il n'est pas au plus haut, je dois vendre l'euro sterling. Mais les techniques, on s'en fout complètement, mais complètement. Et moi, je vous vends l'euro sterling alors qu'on est déjà au plus bas.
vous faites de l'analyse technique et puis, le cours, je l'enfonce, mais complètement, alors que vous, vous aviez vu un support qui était super solide avec vos indicateurs d'analyse technique et le trader, quoi, je dirais, il s'est fait avoir. Donc, en fait, alors après, les gens vont me dire, ah oui, mais de toute façon, l'analyse technique le prouve, puisque tout est dans les cours, l'euro sterling baisse super fort. Ouais, d'accord, mais si vous étiez acheteur avant parce que l'analyse technique vous aviez dit d'acheter, eh ben là, vous êtes stop-lossé. Là, vous avez un temps de retard et une perte. Hein. Et après, quand vous vendez peut-être au plus bas. Parce que d'accord, moi, j'ai fait un super deal super bas, sauf qu'après, il n'y a plus de vendeurs. Enfin, sauf des gars qui suivent un peu, mais le gros vendeur qui était moi, si, une fois que j'ai fait mes achats de 10 milliards de sterling, là, vendu l'euro, eh ben, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, le bouv, il va continuer si c'est du vraiment fondamental, qu'en fait, il y a d'autres gars qui se disent, mais oui, le sterling va monter parce que si, parce que là, mais là, ce n'est pas le cas. C'est un flux qui passe momentané, sauf qu'il est énorme. Eh bien là, vous avez tout faux. Donc, d'un seul coup, vous avez acheté, vous êtes stop-lossé, parce que l'analyse technique vous donnait un support, vous vendez, eh bien, un bout d'un moment, le marché il s'arrête, puisque moi, je ne vends plus l'euro sterling. Le plus gros ne vend plus. Et donc, il y en a qui ça baisse un peu. Si jamais vous n'avez pas pris votre profit, c'est un peu baissé, vous retrouvez à nouveau en perte. Parce que ça remontouille. Hein. Donc l'analyse technique, attention, elle est souvent en retard. Donc il ne faut pas l'utiliser toute seule pour prendre des décisions. Elle sert en complément, elle ne sert pas en prise de décision. Il y a aussi malheureusement beaucoup d'indicateurs qui sont redondants, qui veulent par exemple parler de range ou qui veulent parler de surachat ou de survente. Plus vous. Donc en fait, le problème, c'est que ça n'est pas à peine de tous les mettre. Hein. Un MACD ou un RSI, quelque part, c'est plus ou moins le même indicateur. Le problème aussi, c'est que comme pour décider s'il y a un surachat ou survente, il faut voir des cours dans le passé. Donc, vous avez forcément du retard puisqu'il y a des moyennes. Donc, déjà, là aussi, il y a du retard, il y a des moyennes. Dernièrement, le problème de l'analyse technique, c'est que c'est souvent l'auto-validation. Il n'y a pas eu de backtesting sérieux. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez lu des bouquins d'analyse technique. Ils vous montrent 3-4 pages montrant les têtes d'épaule, les machins, les bidules, enfin des trucs d'analyse technique, tout ce que vous voulez. Et puis, malheureusement, il n'y a pas eu de test sérieux avec un système de trading sur 5 ans vous indiquant que le RSI 76-24, il marche mieux que le 22. Que le 72-22, par exemple, je dis n'importe quoi. Et en fait, c'est des bouquins d'analyse technique qui auto-valident d'autres bouquins d'analyse technique. On a regardé sur 4, 5, 6 fois des graphes d'analyse technique, on se dit c'est bon. Et on ne voit pas toutes les autres fois où l'analyse technique est invalidée, ce que vous avez vu est invalidé. Si vous faites de l'analyse technique, il vous faut faire le système, il faut le tester avec un système de trading, il faut le programmer. Pour être sûr que ça marche. Hein. Alors, les erreurs classiques que j'ai vues chez les traders, c'est qu'ils ont confiance dans leur courtier. Leur courtier leur explique l'analyse technique. Et puis, en réalité, dans les courtiers, les analystes, ils n'ont pas forcément été traders. Donc, tout ce que je viens de vous dire, par exemple, sur l'euro sterling, ils ne le savent pas. Donc, bilan, c'est quand même plus compliqué. Bon, là, je vous ai expliqué un truc, mais il y a des trucs beaucoup plus compliqués qui motivent des achats ou des ventes chez les gérants, chez les fonds de pension. Donc, en fait, ce qui se passe, le courtier va vous dire, voyez, trading, c'est facile, le RSI, il est au-dessus de 70, vous êtes en surachat, vous vendez, le RSI il est en dessous de 30, on est en survente, vous achetez. En 30 secondes, ça y est, je vous ai expliqué, c'est tellement facile, même la ménagère du coin qui n'a jamais fait d'études, elle va y arriver. Et donc, en fait, c'est tellement plus facile de dire des trucs comme ça que d'expliquer la vraie motivation de vente d'une devise ou d'achat d'un asset manager qui, par exemple, se hedge en fonction de cours comptables, par exemple, pourquoi il le fait, comment il le fait, que finalement, les courtiers, ils préfèrent vous expliquer ça parce que eux, la majorité, ils sont en conflit d'intérêt avec vous. Vous avez acheté, ils sont vendeurs, ils ont gardé votre position. Ils ne veulent pas que vous gagniez, ils veulent que vous perdiez. Donc, on ne va pas payer un analyste, une star de Wall Street, des centaines de millions pour vous expliquer de gagner. On va vous mettre un gars qui fait l'illusion, qui vous apprend des trucs. Vous avez l'impression d'avoir quelqu'un, ça y est, un coach trader qui vous a aidé.
Ben non, en fait, parce qu'in fine, beaucoup de courtiers veulent uniquement gagner votre déposit, hein, puisqu'ils ont un conflit d'intérêt avec vous. Alors, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, hein, parce que là, je tire dessus. Il y a des courtiers qui sont honnêtes, c'est comme dans tout. Mais c'est tellement plus facile de gagner sur un débutant qui perd, hein, que ben, c'est tellement tentant qu'il y a beaucoup de courtiers qui font ça. Donc, là, l'analyse technique est tôt suffisante, car tout est dans les cours, je vous l'ai dit, hein, tout est dans les cours, mais souvent en retard, hein. En fait, bon, le chemin de croix du trader débutant, c'est quoi? Eh ben, il finit par se rendre compte, le débutant qui a ouvert un compte, qui se voit millionnaire, donc parce que le courtier lui a expliqué d'utiliser 2, 3, 4 indicateurs. Et le trader débutant, il se rend compte qu'au bout d'un moment, le RSI, bah, ça ne marche pas. Là, le RSI, bah, il se dit, attends, je vais rajouter un deuxième indicateur, un troisième, un quatrième, un quinzième, un vingtième. Alors, soit il se met 150 000 indicateurs pour faire un setup. Et quand le setup est déclenché, bah, il y a tellement d'indicateurs qu'il est déclenché une fois par an. Donc, en fait, le gars, il trade quasiment plus, hein, parce qu'il n'y a jamais la condition qu'il veut, hein. Ou soit, ce qui se passe, il arrive, il optimise, il customise à l'extrême. C'est-à-dire qu'il se dit, oh, moi, je prends un graphe 159 secondes, je mets un RSI machin, mais alors, tu vois, la tête d'épaule, bah, je la prends dès le sommet de la tête. Je ne la prends même pas à deuxième épaule parce que comme ça, je suis en avance avec tout le monde. En fait, il fait un truc qui ne correspond plus du tout, je dirais, à la façon dont l'analyse technique a dit d'utiliser, par exemple, une tête d'épaule. Il customise tellement à l'extrême qu'il est tout seul. L'analyse technique, ça marche quand vous faites des trucs. Elle est auto-validatrice, je dis auto-validée, si tout le monde voit la même chose que vous. Si vous êtes seul à voir votre truc, il y a de fortes chances que ça ne marche pas comme vous vouliez. Hein. Donc le backtesting, ça j'en ai parlé, mais en fait, bah, je peux le dire, je me rappelle une fois, j'avais un stagiaire qui me dit, ah non, non, moi je ne prends pas le RSI, je fais le RSI 70-30, non, c'est pas bon. Moi je prends vraiment un surachat 80 et je prends 20. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? On programme. On programme, puis finalement, ça perd. Donc première chose, quand tu programmes un truc que ça perd, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que au lieu d'acheter quand il te dit sur vente, ben, tu vends, ou au lieu de vente, tu achètes. Et puis on s'aperçoit que là aussi, ça ne marche pas. Tu fais le contre-exemple et ça perd encore. Donc je lui dis, bah, regarde, on regarde, bah, si ça gagne assez souvent, mais quand ça perd beaucoup, on va lui faire par exemple un stop reverse. Bon, on a essayé, finalement, ça n'a pas marché, il a abandonné l'idée. Il faut faire du backtesting de ce que vous faites. Alors évidemment, c'est du boulot, c'est programmé, etc. Alors le problème aussi, c'est que souvent, le gars, il a vu 4, 5, 6 graphes, il se dit que ça marche, il se dit que c'est bon. Et là, il fait une grosse erreur entre ce qu'on appelle corrélation et causalité. Le petit graphe de droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit gamin dans un avion, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit le signe attaché, la lumière clignotante, attachez votre ceinture qui clignote. Donc il dit, j'aimerais bien que ben, le commandant de bord n'allume pas aussi souvent que ça la lumière d'avertissement attachée à votre ceinture. Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, eh ben, ça secoue. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il confond corrélation et causalité. En clair, il pense que parce que c'est le commandant de bord qui a appuyé sur le bouton pour déclencher la lumière clignotante, il pense que à cause de ça, il y a des turbulences. Vous voyez? Non, il y a des turbulences parce qu'il y a un nuage. Et en fait, ce n'est pas parce que le commandant de bord appuie sur le bouton qu'il va y avoir forcément une turbulence. Lui, il le fait, le commandant de bord, parce que son écran radar météo lui dit oui, il y a de fortes chances qu'il y ait une turbulence. Et des fois, il n'y en a pas. Donc, ils confondent causalité et corrélation. Là, je vous en donne un autre plus concret. Voyez les différents gouverneurs de la Fed, donc depuis 1979, hein, comment donc avec Janet Yellen la dernière, on voit qu'ils sont de plus en plus petits et que le taux d'intérêt directeur de la Fed, ben, il a baissé. Donc on pourrait se dire, ben, les taux d'intérêt directeur de la Fed sont corrélés à la taille des gouverneurs, ce qui est complètement faux. Pourtant, ben oui, c'est vrai, on voit une corrélation. Ben non, il n'y a pas de corrélation, c'est un hasard, il n'y a aucun rapport. Alors, je vais vous donner un autre exemple. 99% des gens meurent dans leur lit. Donc, vous pouvez vous dire, eh ben, si je me couche dans mon lit, je vais mourir. Donc, tous les soirs, vous avez 99% de chances de mourir parce que vous allez aller dans votre lit. Eh ben non. Je veux dire, il y a des gens qui meurent sur la route,
qui ne meurent pas dans leur lit, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont tués, etc. Mais ce n'est pas parce que vous allez dans votre lit que vous allez mourir. Donc souvent, le problème, moi je l'ai eu là au dernier salon du trading, il y a une personne qui est venue me parler d'harmonique, etc. Elle me dit « ça marche bien ». Mais moi, je lui ai dit « mais vous savez, moi, en 30 ans de métier, aucun professionnel, même Goldman Sachs, qui est vraiment la banque qui fait le plus d'analyse technique de toutes les banques, les grosses banques d'affaires, aucun trader, technicien d'analyse technique, recherche, département m'a parlé d'harmonique. Vous êtes tout seul dans votre truc. Et il confond corrélation et causalité. Alors, c'est ce que je vous disais, si vous optimisez trop, ça donne ça. Si vous faites des fibos partout, cinq semaines, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, machin, bidule, vous allez forcément trouver la ligne qui vous plaît, où le marché s'est arrêté. Sauf qu'en réalité, c'est un pur hasard. Donc, il faut être sobre dans l'analyse technique. Il ne faut pas essayer d'optimiser. Vous voyez, là, ce graphe, c'était l'année dernière, donc du 1er septembre 2016 au 15 septembre environ. On voit que les mouvements les plus forts ont été initiés par des chiffres économiques, des discours de banque centrale. Ils n'ont pas été initiés par de l'analyse technique. Alors, on voit bien, j'ai mis des points d'interrogation. Il y a des zones où ça monte, où ça baisse, qui peut, je dis pas le contraire, être initié par l'analyse technique. Les plus hauts, les plus bas, avec un chiffre ou machin, un chiffre ou un discours, ça peut être justement un support, une résistance en analyse technique. Mais en fait, quand vous avez la BCE où il y a une conférence, tous les gérants ils sont en train d'écouter la BCE pour savoir si la BCE va monter ou baisser ses taux d'intérêt, est-ce que ça vaut le coup de placer en euros ou pas, ils ne se préoccupent pas du tout de l'analyse technique. Donc en fait, les plus gros mouvements, c'est des événements comme ça. Pour terminer, il y a un livre qui est, je ne sais pas s'il est en rupture ou pas, donc il a été écrit il y a longtemps, c'est Pierre Orphelin, donc c'est quelqu'un pour lequel je tire mon chapeau, c'est un ancien professeur de physique qui s'est lancé dans la programmation de systèmes de trading. C'est vraiment un cadre de l'analyse, du système de trading. Il a fait de l'analyse technique, comme tout le monde, les marchés il connaît bien. Il a fait des systèmes de logique floue. Donc là, son site, malheureusement, je voulais mettre certaines choses de son site sur les pages. Et puis là, il a complètement changé. Si vous allez sur seartrade.com, vous allez voir qu'il va présenter un système qui... un système de trading donc, qui est basé sur la logique floue, il a fait un bouquin, je vous conseille de l'acheter, vous allez sur Amazon par exemple, et donc son bouquin, le titre « Les systèmes de trading et quelques controverses sur l'analyse technique des marchés financiers ». Donc les controverses c'est quoi? Il a fait exactement ce que je vous ai dit, pour des recherches sur l'analyse technique, il a prouvé le problème de la corrélation et de la causalité, c'est-à-dire qu'un jour, il a acheté des données de laboratoire de recherche, des données aléatoires. Quand vous faites des données aléatoires à partir d'Excel, elles ne sont pas vraiment aléatoires. Donc lui, il a acheté des données aléatoires, ça coûte super cher, des fichiers de data aléatoires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des RSI, il a fait des tête-épaule, des machins. Et puis il va dire, regardez, le RSI marche super bien sur ces données-là, il y a des canaux, des tendances, machin. Il a utilisé la technique sur un graphe comme si c'était de l'eurodoll, comme si c'était une action, et ça marchait super bien. Sauf qu'une donnée aléatoire, par définition, vous ne pouvez pas la prévoir. Et en fait, il prouve ce que je vous ai dit, c'est que attention, diminuez votre analyse technique, les particuliers, ils en font beaucoup trop, de ce que j'ai vu en 30 ans de métier, ils font l'erreur de croire que il n'y a que des spéculateurs sur le marché. Il y a des gros qui font des gros ordres qui n'ont aucun rapport avec l'analyse technique. C'est ça qu'il faut suivre. Un analyste technique, par exemple, et un analyste fondamental ou quelqu'un qui cherche les flux, je dirais c'est comme quelqu'un qui va à un centre commercial. Vous pouvez avoir deux approches. Vous voyez un magasin qui vend des parapluies. Puis il y a un concurrent un peu plus loin aussi qui vend des parapluies. L'analyse technique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir sur un banc du centre commercial et puis il va voir que dans le magasin A, il y a beaucoup de clients qui vont acheter le parapluie, qui ressortent, qui ont le sourire, etc. et qui ressortent avec un sac, avec plein de parapluies, etc.
Et puis, dans le magasin B, il s'aperçoit qu'il y a très peu de clients qui vont dans le magasin pour acheter le parapluie. Donc, au bout d'un moment, il se dit, ben, finalement, ça veut dire que ça vaut plus le coup d'aller dans le magasin A. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a observé ce qui se passait. Après, je prends un autre analyste qui va être plus, qui va essayer de comprendre les mouvements, qui va essayer de prendre le train en marche beaucoup plus tôt. Lui, il va carrément aller dans les magasins. Il va faire son analyse dans le magasin A et dans le magasin B. Et il va tout de suite comprendre que le parapluie dans le magasin A, il a beau être beaucoup plus cher, mais en fait, il est tellement de bonne qualité que de toute façon, les gens, ils l'achètent et ils le gardent à vie. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'analyse technique, il a toujours un temps de retard parce que lui, il a fallu qu'il regarde. Alors que l'analyste qui a été dans le magasin, il a été au tout début de l'ouverture du magasin, A et B, et déjà, il le sait. Hein. Le problème dans le trading, c'est que vous ne pouvez pas tout savoir, hein, mais en fait, il ne faut pas être le dernier parce que quand ça a baissé, que vous êtes le dernier, ben, en général, les premiers ils prennent leur profit. Hein, et donc, du coup, vous n'êtes pas dans le bon sens. Voilà, donc diminuez votre analyse technique, faites des choses simples, des choses que vous êtes sûr que tout le monde voit. Hein. Si vous avez des sites de trading, il faut voir que les trucs que vous avez vus, vous dites « Ok, lui, il l'a vu, moi, je l'ai vu, donc ça va marcher. » Pour terminer, formation trading, donc en fait, je fais des formations de 5 jours complets. La prochaine en groupe, c'est du 6 au 20 novembre à Nice. À Paris, ce sera du 11 au 15 décembre. Donc on voit les techniques de spéculation des hedge funds, des fonds souverains, une banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait sur le marché. On regarde tout ce qui va vous permettre d'avoir accès, je dirais, au niveau professionnel. Il y a des trucs, des abonnements pas trop chers, on va avoir des infos de marché, hein, sur les ordres d'achat, de vente des gros intervenants. Je vais vous expliquer comment le marché des options sur le Forex va influencer le spot, le faire monter, le faire baisser. Donc on va avoir des exemples de trade aussi bien intraday. Comment on traite par exemple un chiffre économique, comment on traite quand il y a une banque centrale qui fait donc sa réunion de politique monétaire, donc aussi bien des trades intraday et à plus long terme. Hein. Donc il y a un manuel, donc si vous voulez m'écrire, donc mon site c'est traderchange.com, là où il y a toutes les explications sur les formations, et si vous voulez m'écrire c'est p.lermi@jfdbrokers.com. Voilà, donc je vous remercie. Et puis ben rendez-vous dès demain pour les news sur le site JFD Brokers. À bientôt.